Et quoi? On savait pas où il est, mais il est dans le frigo. Il est dans le frigo, le lutin? Oui. Il fait. Oh ouais, dis donc. Il est gourmand? Oui. Oui. Et le jus d'orange, tu le prends? Il est au jus d'orange. Le lutin. Attends, faut qu'il s'installe. Tu veux y arriver? Attends, on va pas jouer tous. Aujourd'hui, il va avoir froid. Ah oui, il va. Maman? Ouais. Aujourd'hui, il va avoir froid, le lutin. Quand il va sortir sa cachette, il va avoir tout froid. Il va avoir tout froid. Il va avoir le Père Noël, et le Père Noël, il va toucher ce lutin, et après, le Père Noël aura encore tout froid. Oui, oui, t'as raison. Le train. Oui, c'est bon. Oui, vas-y. Merci, Rosie. Je viens de rentrer de deux petites commissions. En fait, j'avais une envie de sortir de chez moi aujourd'hui. Après avoir enchaîné 5 jours enfermés à la maison, bah, ça fait du bien de trainasser, de prendre l'air. C'est aussi que j'avais des petites bricoles à acheter pour les enfants. Pour notre calendrier de l'avant-maison. Donc, je ne vous présenterai pas. Je vous le présenterai pas parce que je viens d'aller acheter dans les commissions pour pas que les enfants voient parce que j'ai des ados et des ados ça traîne aussi sur YouTube donc voilà, je ne veux pas qu'ils voient avant. Sinon j'en ai profité pour faire un petit tour à Action pour trouver tout ce que j'avais besoin. Bon là les boîtes sont vides mais style un chargeur pour USB, vous savez qu'on allume cigare qu'on met dans la voiture, avec le cordon qui va avec mon smartphone, et puis le petit truc qu'on accroche là pour positionner son téléphone. Donc voilà, donc ça je les ai achetés parce que c'est bien beau d'avoir une nouvelle petite titine, mais il faut... Ah, pardon. Mais il faut l'équiper... Il faut l'équiper selon mes besoins, et vu que je suis toujours avec mon smartphone partout et qu'il perd assez vite de la batterie, bah voilà, j'aime bien avoir de quoi le recharger. Et puis vu que j'utilise très souvent les GPS pour pouvoir me déplacer, bah voilà, j'ai besoin. Donc voilà, j'ai été prendre.
Donc voilà, je vais aller cacher toutes les petites babioles que j'ai prises tantôt pour les loulous. Et aussi, j'ai trouvé un petit casse-noisette. En fait, ma fille adore les casse-noisettes, la grande. On a l'impression que je vis dans le noir, mais non, mais il fait très sombre et très noir. Enfin, très gris aujourd'hui, il pleut, donc j'ai allumé la lumière pour vous. Et on a vraiment encore l'impression que je suis soit le matin très tôt, soit le soir très tard. Donc voilà, donc pour en revenir, petit casse-noisette en bois. En fait, je l'ai regardé sur internet, mais je l'ai trouvé quand même assez cher, les casse-noisettes. C'était entre 15, 20, voire 30 euros certains. Alors qu'ils font tous la même chose, hein, ils ouvrent le bec, quoi. Tac. Et là, bon, bah, à Action, je les ai trouvés à... Je l'ai trouvé à 3 euros, donc comment vous dire que je n'ai pas réfléchi très longtemps, juste à me dire où est-ce que je vais le positionner chez nous. C'était tout, c'était ma seule réflexion, hein. Vu le prix, c'était vraiment ma seule réflexion. Donc voilà. Donc d'ailleurs, je ne sais toujours pas forcément non plus où est-ce que je vais le positionner, si je le mets là ou sur notre buffet, peut-être. Peut-être, peut-être, voilà. Peut-être trouver une petite place ici, à voir, je sais pas. Ou sur le meuble télé. Attends. Il faut que tout soit en harmonie. Parce qu'en fait, je cherche aussi une jolie boule, une boule à neige, j'en cherche. Là, il y en avait aussi un. Hein. Ah bah voilà, peut-être trouver sa place. Il y en avait des jolies boules à neige. Sauf que elles étaient jolies, mais elles étaient petites. Et puis bon, je voulais pas un truc trop petit. J'en cherche une grosse, mais magnifique en fait. Et voilà, bon, j'ai pas eu le coup de cœur encore. Donc bon, on verra plus tard pour le coup de cœur. Voilà. Et puis bah, j'ai pris des petits œufs parce que nos poules pondent, mais pas suffisamment. Elles reprennent, mais pas suffisamment. Donc j'ai pris des œufs élevés en plein air, bien évidemment. Pas des œufs de cage en poule, hein. On est bien d'accord. Suite à l'émission à laquelle on a participé, je ne sais pas si vous avez suivi ou vous pouvez la retrouver en replay. C'était 90 minutes l'enquête sur la 10. Et voilà, donc c'était sur les produits d'exception qu'on a participé et pour se rendre compte finalement de l'envers du décor de notre consommation alimentaire et de ce que les grandes distributions veulent nous faire croire par leurs jolies étiquettes, hein, on est bien d'accord, que voilà, avec des arômes alors qu'il n'y a pas d'arôme ou enfin voilà, nous le cas c'était l'arôme de, enfin l'huile de truffe d'ailleurs que j'ai encore, qui est ici. Voilà cette petite huile d'olive où c'est marqué arôme naturel de truffe noire. Et finalement, quand on regarde la composition, il y a de l'arôme naturel de truffe noire. Mais en fait, c'est pas du tout de l'arôme, quoi. C'est des trucs chimiques, juste le goût et puis c'est tout. Donc voilà. Donc, mais ça, on en reparlera de tout ça. Je pense que je referai le point de tout ça, de nos habitudes, de notre manière de voir et de consommer et comment on va mettre des choses aussi en place différentes, mais qui puissent rentrer dans notre composition familiale et aussi dans notre budget. Voilà, parce que c'est pas... Voilà. Donc, on va faire un peu de aparté parce que là, on est dans le vlogmas. Donc, on en reparlera plus tard de tout ça. Et puis, bah voilà. Donc, aujourd'hui, nos petits lutins de Noël. Il y en a un qui avait envie de passer le petit déjeuner avec nous. Et le deuxième, je crois qu'il avait très très chaud cette nuit. Parce que... Il est dans le frigo. Ça a fait beaucoup rire les enfants ce matin, comme vous avez pu le voir. Donc voilà. Bon, je vais ranger tout ça parce qu'il est déjà 11h. J'ai plein de choses à faire. J'ai du muesli, j'ai des crèmes. Parce que vu que j'avais plus assez de coco hier, j'ai pas pu faire mes crèmes dessert. J'ai du linge qui m'attend aussi. J'ai du montage, hein, comme tous les jours maintenant, qui m'attend. Et... Voilà, et puis des choses au quotidien, des baguettes, le goûter, enfin voilà, toute la panoplie quotidienne que j'ai à faire, qui est ma routine quotidienne, quoi. Donc voilà, donc je vous dis à plus tard. Thank you.
Mais tirez une des bonnes cas. Mais tirez un fil. Allez. Un fil, pas une boucle. Tu vas pas y arriver. Ah. Bah si, t'as vu, j'y arrive. Soyez gentils les uns avec les autres. Regardez pas. Un bon pour pouvoir dessiner sur les fenêtres et lire. Regardez vite dans la forêt. J'ai tout compris. Faut regarder dans la boîte. Comment on va en avoir un pour chacun? Alors déjà, on a ça pour colorier sur les fenêtres. Avec un chiffon. Après, ah, ça c'est pour moi. Ça c'est pour Wendy, Fanny, Dylan. Et moi, le roseau, l'orient. Et Timéo, et vous deux, c'est... Voilà. On pourrait tous dessiner sur les fenêtres, maman. Oui. Mais on voit pas. Si, moi, je... Voilà. Ah. On voit pas. Ouais. Tiens, il y a que t'as marqué Timéo. Avec un cœur dedans. La joie, mais avec... Ah, si, je vois comme ça. Joyeux Noël. Et qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, celui-là, il peut être plus foncé, peut-être. Fais un cœur, et dès qu'il y dit... Donc, il me faut la chiffonnette. Attends, il me faut la chiffonnette. Chiffonnette. Il est où, le verre? Stéphanie, elle écrit... Lizzie, c'est toi qu'elle fait? Joyeux Noël. Oh. Et Rosie, elle fait du coloriage. Oui, toi, Tiane, tu arrives? Ouais. Tu écris quoi? Je sais pas, regarde. Dylan BG Noël 2020. Ça va? Ah ouais, hein. Bon, ben bah voilà, les enfants, ils ont ouvert le calendrier de l'Avent. Et ce soir, c'était qu'ils pouvaient dessiner sur les fenêtres. Oui. Parce qu'on a... les lutins ont apporté des crayons magiques qui viennent de chez Maped. Oula, la lumière. Voilà, ce sont ceux-là. Et il y a un chiffon avec, c'est ça aussi? Oui, compris là. Dedans. Comme là, il y en a un. Ouais. Ah ouais, voilà, un petit chiffon microfibre compris dedans. Tiens, Mimi. Merci. Et en fait, ça se passe bien, on a essayé, ça se passe vraiment bien. Donc, c'est rassurant. Et les grands ont eu chacun un livre. Donc, pour Maminette en CM2, c'est Maxi Lily. Pour ma grande, c'est le club des babysitters. Oui. Pour mon loulou CE2, c'est Plume le pirate. Et mon grand... Il est sur le Père Noël. Ah oui, merci. C'est Kylian Mbappé et le corbeau. Tu vois? C'est une histoire d'enquête, mais qui relie le foot. Donc voilà, parfait. Donc voilà, donc on va hocher le nez, il y en a qui sont douchés, il y en a qui doivent se doucher encore. Il est 7h moins le quart, donc ça va, on est bon au niveau du temps. On avait fait les séances d'orthophonie aussi avant, les devoirs. Donc voilà, ils vont continuer à se doucher. Moi, je vais préparer le dîner. Ce soir, c'est pâtes, poivrons à la sauce bolo. Trop bien. Donc, c'est très bien. Tout le monde va manger. Et c'est parfait. Tu veux que je t'aide? Oui, je vais. Et eh ben je vais te l'écrire sur un papier et comme ça après tu vas le réécrire. Ok, ma biche. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt.